Yo tout le monde! Avant que l'épisode ne commence, toute cette série est faite en coop avec Vae le Stratège de la chaîne Vae le Stratège, également présent sur Twitch, Vae TV. Voilà, il fait du contenu très sympa. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous souhaite un bon visionnage. Pas beaucoup de villes en vrai. Ouais, sûrement des restes ou des mercenaires. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est alors. Toi qui attaques, non, en fait, je fais le siège de Caralis. Et comme j'ai démonté Syracuse, qui n'ont plus de territoire, bah en fait, ils cherchent absolument à récupérer un territoire ou à m'attaquer. Et bah ils m'attaquent au niveau du siège de Caralis. Bah ouais, mais en fait, Caralis, c'est romain. Ah, ok, je vois. Et ouais. Ouais, c'est vrai, t'as une flotte remplie d'artillerie, ça va être marrant. Ah ouais, mais c'est les flottes les plus fortes. Enfin, je trouve que c'est... Et en plus, ça me permet de couler une flotte romaine... Plus leur flotte de garnison. J'aime bien l'idée. Le mauvais truc, c'est qu'ils vont venir de je sais pas où. Et... Après, c'est une stratégie puissante, mais à double tranchant. Les flottes comme ça, oui. Ouais. Parce que s'ils réussissent à aggro ta flotte, tes balistes sont useless. Ce que j'essaie de faire, c'est si vraiment il se rapproche trop, je mets le mode bélier. Ouais, je vois. Bon, c'est là où ça va être un peu chiant par contre, c'est que je pense que je vais me faire attaquer par l'arrière. Et j'aime pas. Bah oui, il y a la flotte de garnison ouais. Qui va sortir. Ah. Donc, ce que je vais faire... Après, ils sont pas très nombreux. Ils sont 4, donc c'est pour ça que je vais pas laisser beaucoup de péons. Je vais laisser 5 navires, je pense. Moi, ce que j'aurais fait à ta place, c'est j'envoie tout le monde tirer sur leurs 3-4 bateaux. Après, une fois que c'est fait, je me retourne contre les Romains. Voilà. Bah, en fait, j'ai peur de pas avoir le temps de me retourner. Bah, fais comme tu le sens. C'est ça qui est chiant. C'est. Je préfère me placer. Je sais pas si t'as vu là en fait, j'ai retourné mes navires. J'ai pas du tout retourné mes navires. Comment ça, ils sont pas du tout retournés mes navires? Ah si, il y en a un qui s'est retourné, le reste ils sont pas retournés. Bah retournez-vous les mecs. Non, vous voulez pas? Ah oui, non mais oui, d'accord, j'avais pas fait dans le bon sens. Donc. Ah sinon, tu peux mettre 50% de ta flotte. Dans le sens de la flotte syracusaine et l'autre moitié dans le sens de la garnison navale ennemie. Non, je garde que ça pour la flotte syracusaine où ils sont 4. Ça fait 1, 2, 3, 4. Ça fait 6 contre 4. Et le reste contre les renforts. Et je pense ouais, que ça devrait le faire. 4, c'est correct, mais genre 10 contre 4, ça aurait été réglé d'autant plus vite. Là, j'aime bien, tu vas dominer mon ennemi, lui, c'est aucune chance. Ben ouais, mais le souci c'est que je peux pas laisser ma flotte. En fait, c'est l'inconvénient des flottes comme ça. C'est qu'elles peuvent pas tenir de. Tu vois, elles peuvent pas faire un mur en fait. Un peu comme les murs romains, les murs de Hoplite. C'est dès que t'as un navire qui passe, c'est que c'est la merde. Ouais, t'es obligé en fait de maîtriser à fond le truc. Sinon. Et ça, c'est chiant. Alors, est-ce que tu peux te charger de l'assaut? Ouais, si tu veux. Est-ce que tu le sens? Donc, moi, j'ai l'habitude des batailles navales, je me débrouille plutôt bien. Hop. Donc le but, ouais, comme je te disais, c'est avec eux, c'est... tu te mets en mode bélier. Tu mets les deux qui sont, on va dire, les deux ceux-là sur ceux qui sont sur le plus sur la droite. Les deux ceux-là le plus sur la droite. Et eux, ceux du milieu, tu temporises un peu, tu vois un peu comment ça se passe. Bon, je te fais confiance. Et ouais, moi, le but, ça va être de gérer l'arrière. Comme ça, par contre, c'est moins sympa. Ça va être de gérer les renforts. Ok, t'es prêt? Vas-y, quand tu veux. Alors, on va vite voir d'où viennent les renforts, surtout. Ok, ça va bien se passer. Ok. J'ai mis juste en pause, tu vois les renforts ici. Ouais, ils sont là, ok. Tu vois, ils sont tellement prêts en fait que. Et ils ont des petits navires à la con, genre celui-là. Des balistes aussi, mais fais gaffe.
Ouais, les balises, tu vois, ça me fait pas trop peur. Ce qui me fait peur, c'est plus les petits navires, genre celui-là, qui vont beaucoup plus vite que mes balistes. Ah oui, je vois, c'est les... Comment ils s'appellent déjà? Les birèmes, je crois, un truc comme ça. Les trirèmes ou les trucs comme ça. Hein. C'est quadrirème ceux-là. Et l'autre, on voit pas encore. Donc, je vais juste me placer. On va essayer de se placer le plus vite comme ça. Parce que sinon, je vais pas pouvoir. Ça va être tendu cette bataille. Hop. Et de l'autre côté, t'es tranquille. Les balistes, ils vont pas avancer. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du. Ok, c'est du rien du tout. Ouais, en plus, leurs navires, ils sont costauds. Surtout si je vise dans la flotte, ils sont encore plus costauds. Sur le navire amiral. Avec l'artillerie navale, elle peut aussi forte que sur Attila. Voilà, c'est clair que. Monseigneur! En même temps, l'artillerie navale, c'est un peu. Le principe même est un peu débilement fort, quoi. Alors, je mets juste une pause, c'est pour changer le mode de mes navires et de leur dire de charger. Okay. Donc les deux, vous allez là, les deux, vous allez là. Là, j'en ai un qui a coulé, un qui a coulé. Les deux, vous allez là. Et on verra pour le reste. Ouais, heureusement qu'il y a le mode pause hein, pour les batailles comme ça. Je l'ai fait sans pause, généralement. Ouais, disons que ça peut éviter de la perdre, donc. Aussi. Ok, là on voit que c'est passé tout seul à ce niveau-là. Allez. Quoi? Je crois qu'il s'est pris une volée de flèches. En général, il est mort. Oh non! Si, je te jure, je suis désolé. C'est pas censé se passer comme ça. Ah. La bonne nouvelle, c'est que leur amiral est mort aussi. Ouais. Ouais bon. C'était Bérénice. Ouais, je crois que c'est la femme du pharaon. Ah. Encore. Ou alors une de ses filles. Encore. Donc t'aimes bien me tuer mes. T'aimes bien me tuer mes dames de. Alors. Bon, y en a un, la princesse, c'est pas de ma faute. Il y en a un qui est pour rien, oui, c'est vrai. La première, qui est pour rien du tout. C'est ça aussi de faire combattre les femmes sur le champ de bataille. C'est risqué. Si ta reine, elle meurt. Ah, je fais combattre tout le monde. Ah bah, ça y est, ils ont tous coulé. Moi, je fais combattre tout le monde. Vraiment. Ta reine n'a pas eu de chance parce que elle s'est pris des volets de flèches et elle est morte. Attends, elle est morte et elle a même pas été blessée quoi. Tu sais, elle est pas morte en coulant parce qu'un navire l'a coulée, non, c'est uniquement parce qu'elle s'est pris une volée de flèches. Putain, d'ailleurs, j'ai un navire qui a coulé. Je l'ai pas vu lui. Ouais, ça doit être de ton côté ça, je pense. Ouais, c'est possible, je t'avoue que. Je sais pas du tout. Aïe aïe aïe, une mort digne. Non, c'est pas digne. En plus, j'ai que des gens, des familles partent. Ah là là. On partait en esclavage, hein. Là, y a pas de. Je sais pas savoir. Putain. Elle est morte avec honneur. Oh, elle avait quel âge? Trop jeune. Trop. Les nourris qui veulent faire un accord commercial. Non. Et c'était ta chef de faction ou. C'est la pharaon ou la femme du pharaon? Je ne sais pas du tout. Je pense que dans tout le monde connu, il y a tellement de femmes nobles qui aimeraient être l'épouse du pharaon. Alors,
On va déjà voir un truc, c'est... Bérénice, Dénécie... ouais. Voyons voir, qui c'était? Putain, c'était encore une défi. Hein. Aïe, 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 aïe. C'était une de mes gamines qui avait 26 ans. Et même pas qu'on pouvait avoir des générales féminines, tu vois. Si, avec... ouais, ça va dépendre des factions. Bon, bah c'est qui la remplace? C'est... Bah il est où? Il est là. C'est Acroneos qui a 28 ans. Ah, je vais devoir payer pour améliorer, renforcer sa promotion. Voilà. Acroneos. Tu vas faire des revenus tarifaires. Hein. Ouais, c'est bien. Et je veux du moral. Les unités de cavalerie légère. Waouh. On va faire ça. Terrible ça, bah les parts ils sont contents, hein. Oh la vache! Alors je sais pas que. Sécession jugulée, ah oui d'accord. Bon, on va vite changer d'amiral. Les eaux sont calmes, oui, j'en ai un à foutre. Allez hop. Ouais. C'est un honneur de servir. Hop, bon. J'aurai la province de partie là, bientôt. Là. Ah, c'est bien, tu vas pouvoir augmenter les. La taxation. Et l'Imperium pour pouvoir recruter plus de généraux. Bah tiens, dis-moi maintenant que c'est ton tour, tu pourras recruter combien de généraux au maximum? Ah oui, bien vu. Ça dépend de l'Imperium que t'as. Je crois que j'en ai un plus 10. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc t'as un peu plus d'Imperium que moi. Un pouya, ouais. Hop, ah bah tiens, ils sont en marche forcée, eux. Moi je suis bientôt au prochain niveau d'Imperium. Ouais je pense parce que j'ai dû le passer je vais passer à 30 et des poussières en province. À 20 plutôt 25 ou un truc comme ça. Et comme on n'a pas beaucoup de différence. Hop, on va faire beaucoup d'esclaves là en vrai. Ah, fais gaffe, quand t'as trop d'esclaves, ça réduit ton emploi plus vite de ouf. Ouais. Mais là, pour l'instant, je suis plutôt cool. Ça a l'air de le faire. Finalement, les Spartiates, ils vont pas attaquer Brundizium. Non, en fait, ils font juste une patrouille. Ouais, ils sont pas fans des mers aussi. dès que t'as de l'eau, ils sont en mode pas terrible. Ouais, ils sont plus. Fort en combat terrestre. Ouais, ils sont terre à terre, on va dire. Bon, mon pharaon, avec tes troupes absolument ouais, petites. Les Spartiates, ils ont gagné une bataille navale décisive contre Athènes pendant oui. La guerre du Péloponnèse à toute fin. Bon, avec l'aide de leurs Perses, mais ils ont gagné. Ouais, en effet, il y a un truc comme ça qui me parle. Je sais plus la quand, mais. La guerre du Péloponnèse. Attends. Voilà, je l'ai vu en cours en plus. J'ai juste oublié. Attends, ouais, je suis allé sur Google. Ça va me revenir. Tous les poissonniers là. Ah ouais. Hop, je t'envoie les défenseurs du Nil au cas où. De toute façon, je suis pas très loin donc. Ah! Ah, j'avais oublié. J'ai pas le droit d'accès. J'ai une Rogan. Ça s'attrape. Ah, bah demande-leur. Ah, je peux même pas leur demander. Ah ouais, non. Non, bah non, comme c'est une satrapie. Ils repassent leur territoire, on s'en fout. Ah oui, bah là, c'est le cas. Et tu crois qu'ils vont faire, de toute façon. Déclarer leur indépendance, c'est embêté. Ah bah moi, ça m'arrange, je récupère les villes au nom de mon empire. Ah. Directement. Ah, ok, ouais. À la guerre du Péloponnèse, c'est 431-400. Ah non, attends, ça c'est la première partie de la guerre. Nul ne passera. Non, c'est 431-404, ouais, ma vraie date. Ouais, c'est en vrai, t'as.
T'as une petite trêve entre deux et après ça reprend. Ouais, ils aimaient bien ce genre de truc. 431, 411. Après ça continue. Hop, allez. Ah oui, mais non, là j'ai pas assez d'ordre public. Ici, je peux le faire. Voilà. Oh, regardez-moi ça, quelle beauté ce truc. Et là, je crois qu'il faut attendre encore. Ouais, je sais pas, les technologies. Ok. Merde, j'ai encore l'espion. Ah, j'ai totalement zappé. Ah, j'ai 8 500 de revenus là. Bon, je sors bien. Eh, pas dégueu, hein. Attends, par contre, j'ai un risque de guerre civile qui est à 10%. Alors, je vais Ah! peser la loyauté. Ouais, fais gaffe. Des familles partent. Tiens Voilà, c'est non! bon. Problème réglé. Toujours les mêmes, ceux-là. Comme c'est bizarre. On a les mêmes, toi et moi. On se demande pourquoi. Je vais me débarrasser de cette armée-là, enfin, tout ce qu'il en reste. Ah oui, effectivement, il ne reste plus grand-chose. Hein. Leur baliste. Ne Hop les pas là, utiliser. dégage. Bien vu, bien vu. Ok. Je vais le mettre à la frontière. Je vais encore le Ah, mettre. ils ont pris Alexandria Racosia, tiens. Qui ça? Les partes. Ah, les partent. Ah oh oui, ça fait un petit moment. Ah, mon armée en renfort, elle en est où là? Où est-ce qu'on en est? Attends, que je regarde ça dans le menu armée. Ah, c'est un peu illisible la carte. Je suis la carte. Merde. Non. Ah, elle est là. Ouais, bon. Elle va arriver un peu en retard, je pense. Ils ont loupé l'heure du réveil et ça arrive. Bah, c'est qu'ils sont un peu loin quand même. Je sais pas s'ils vont avoir le temps d'arriver. Peut-être qu'ils vont arriver après la bataille. Hein. Ça, pour une fois, l'expression elle est bien utilisée. maintenant je peux améliorer certains bâtiments que j'ai un peu plus de nourriture. Ok. On est où ton armée? Ouais, elle devrait être là dans 2 tours. Bah, je t'attends à la frontière. En Ça roule. attendant, je reconstitue un peu mes troupes, ça m'arrange. Ouais, laisse-les se reposer tranquillement, elles ont mérité. Hein. Sauf si les partes m'attaquent. Ah oui, il y a du monde, Ils ont une petite armée. hein. Ouais. Tu peux pas faire un mode fortification? Attends, je vais vérifier. Je suis pas sûr. Je crois que j'ai pas assez de points, pas assez de points de mouvement. Ah, pas de bol. Pas encore. On a guerre contre les sites. Ah non, pas maintenant. C'est peut-être pas le meilleur moment là. Débrouillez-vous. Bon, Syracuse, tu devrais essayer d'attaquer Syracuse. Ouais. Ah, Aria? Il voulait faire la paix avec moi, mais j'ai refusé. Ah, tu m'étonnes. Je vais récupérer Suze là. En plus, il y a une
et du soie, de la soie, pardon. Ah, en conséquence de la ruine ou de la négligence, des Bacchartiers sont apparus dans cette colonie. Il ne sera pas facile de s'en débarrasser. Double Bacchartier à Tyros. Ah ouais, là pour le coup, si t'as pas une révolte, je comprends pas. Eh bah, C'est piller le territoire à partir du prochain tour. Ça devrait passer en négatif si tu me le pilles. Ouais. Faudra attendre quelques tours, je pense, pour le temps qu'il y ait une révolte. C'est très possible. Ah, mais c'est pour ça que. Que Rome, ils ont du mal. Mais tu sais, ce dont j'ai peur, c'est que. T'as Satrapie. Réprime la révolte quand elle va naître, quand elle sera faible. C'est possible, mais après, ils ont tellement de mal avec la bouffe que je pense que ça devrait être tranquille. Regarde là, ils sont vraiment tellement fidèles qu'ils sont près de la ville, ils sont prêts à réprimer les rebelles à tout moment. C'est possible aussi. Pour voir ce que ça donne. Ouais. Tu disais par rapport à Rome. Ah ouais, putain, elle a été pillée, la ville. En fait, c'est que j'ai deux diplomates qui leur volent de l'or. Déjà. Et j'ai voilà, nouvellement un espion qui leur vole de la bouffe. Ok. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont un peu du mal. Chier. Ok, bon, il n'y a plus de Syracuse. Ouais, on s'en est débarrassé. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Yol, 10 000. Mais il y avait Carthage là, il y a un tour. Bah! Ouais. C'est les Maïsil. Les Maïsil. Faction des Tulles. Ouais, ah ouais, ouais, ils se sont fait bouter loin. Merde. Ils se sont fait décoloniser. Ouais, Carthage, ils ont plus qu'une troupe en fait. Ils vont être terminés. Ils se sont fait décoloniser, sauf qu'ils ont pas de patrie mère. Ils ouais. Non plus, du coup. Ouais, c'est bien le problème. Bon, bah. Il était une fois à Carthage. Oui, là, ça va être compliqué pour eux. Ok, là, l'ordre public, il est bon. Là, l'ordre public, il est pas bon. Ah, il est même très mauvais. Mais pourquoi j'ai ça ici? Bah oui, bien sûr, ça me sert à rien, ça. Là, hop, ordre. Mais oui, pourquoi j'ai ça? Tu m'étonnes, l'ordre public, il était très mauvais. Ici, qu'est-ce que je peux y faire? C'est mon pôle recrutement. Non. Ah, je pourrais faire ça, c'est vrai. Mais j'ai pas d'aqueduc. Après, on s'en fout un peu. Ok, on va faire du poisson. Ah! Putain, mais c'est terrible l'ordre public. Populace scandalisée. Ah ouais? Pourquoi? Quelle ville? Ah bah l'Arabia Félix. Ah. Ah ils sont... Ah ils ont... Oula. Ah oui. Moins 10. Dans deux tours t'es une révolte. Putain c'est ouf. Ah mais t'as pas d'armée sur place. Ah bah oui je t'ai envoyé la mienne. Ah. Celle que je t'ai envoyée qui était là. Je sais à quoi elle sert maintenant. Ah je vois. Ah tu l'avais mis là pour garder leur tuyau. Ouais. C'est bon, maintenant je comprends ce qu'elle faisait à cet endroit là. C'est pas grave, je vais changer mes bâtiments. Ça produit de la bouffe en vrai, j'en ai déjà tellement. Ah je vois. T'avais pas fait de bâtiment pour le public? J'en ai un mais pas avant 4 tours. Ah. Et l'autre il est avant 3 tours donc bon. C'est Robert, pas tu me diras, dans 4 tours les rebelles ils seront contents avec l'amphithéâtre. J'avoue. C'est quoi là? C'est... Plus 25% de richesse provenant de tout le commerce. Et ouais. Putain, ça c'est fort. Je pourrais refaire une zone commerciale, mais bon, ça fait beaucoup à la fin de zone commerciale. Peut-être finir par manquer de bouffe au bout d'un jour. Non, jamais, on manquera pas de bouffe. Allez, on va faire des ports de commerce. Après tout, c'est un pôle commercial, non? Ça fait je sais pas combien de tours que je faisais ça, mais c'est pas grave. Putain, là, c'est quoi? Agriculture.
Moins 20% de coût de conversion de bâtiment. Ah, oh, attends, je te laisse là et ensuite je te changerai toi. Ah, mais non, mais sinon, oui, non, ça sert à rien. C'est de la conversion donc. Ressources, revenus commerciaux. Ah, bah, allez hop, stimulation commerciale. Voilà, pour changer. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre déjà Zia dans le premier temps. Après, je vais prendre la ville qui est à côté. Aria. Artakoana, pardon. Artakoana, ouais. Et après, avec mes deux armées, je vais attaquer la ville bien défendue des Parthes, là. Voilà. Par le nord et le sud-ouest. Et je te fais même un petit cadeau quand tu reprendras Tyros. J'y aurais mis un... Comment ça s'appelle? J'aurais amélioré la ville. Ok. Comme ça. Après, si je puis me permettre, la ville était bien améliorée avant qu'elle passe aux Égyptiens. Non, mais tu vois, on va dire c'est des bâtiments de niveau 3, c'est plus niveau 2, c'est... Enfin, tu vois, le... Voilà. Ouais, bon, il y a un port de niveau 4, c'est pas encore la technologie. Tu es gagnant au final. Alors, tiens, on va envoyer ça au Nori, si ça se trouve, ils vont me donner un territoire romain. Et puis voilà. Alors, le port, non, si, je sais plus. Le port, je sais plus si je le mets. Merde, ah, je l'ai oublié de les bouger. Bon, bah, t'as la troupe qui est à BAM. Voir, ils sont. Ah, ils sont à de la ville, ok. C'est vrai que j'ai une vieille armée pourrie à sirène depuis peut-être le genre 15e tour, je sais pas, 15-20e tour. Ah! Oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh ça on aime. Que se passe-t-il? Oh! Oh bah tiens! Oh là-bas! Oh, une